Merci beaucoup, merci Davia. Bravo, pardon pour ces petits bugs. Ça vous a permis en même temps de nous montrer qu'on peut s'adapter à n'importe quoi. On laisse couler un petit peu les images. On va bientôt remettre le prix du forum Changer d'air, mais avant, on va se plonger dans 20 minutes d'un dialogue intergénérationnel. Un dialogue qui sera animé par Caroline Fayet, cofondatrice du cabinet conseil Boléro et auteure d'un best-seller, L'art de la guerre digitale, survivre et dominer à l'ère du numérique. Et Caroline va être rejointe. Caroline, je vous donne un micro et vous allez rejoindre les fauteuils à l'autre bout de la scène. Vous allez être rejointe par Hugues de Jouvenel, président de Futurible International, fondateur, rédacteur en chef de la revue Futurible que vous pouvez trouver depuis ce matin. Vous la trouvez sur les côtés. Enchanté, vous avez un micro qui vous attend là-bas. Et Diane Laine, entrepreneur, fondatrice de We Are Peers. C'est un nouveau format pour l'apprentissage et la connexion avec les pairs. On retrouvera Diane tout à l'heure avec son équipe pour un grand moment d'interactivité. N'oubliez pas le gong, Caroline, le gong, bien sûr. Et vous, n'oubliez pas le hashtag FCE 2018. Vous avez 20 minutes. À tout à l'heure. Bonjour à tous. Vous remarquerez qu'il y a toujours une majorité de femmes sur les plateaux de Changer d'air, mais qu'elles sont toujours en mode camouflage, n'est-ce pas? Puisque vous avez eu la bonne idée de nous habiller en rouge avec Diane sur les fauteuils rouges. Ça va être génial en images. Bon, alors, artisan de sa vie, quand Véronique m'a proposé d'animer cette table ronde, je l'ai prise comme une dédicace personnelle, puisque moi, j'ai inventé mon métier de netnologue, donc d'étudier l'influence du numérique sur les publics, et que je ne fais ça depuis 18 ans. Donc, j'ai découvert en vous écoutant que j'étais moi-même artisan de ma vie. Artisan de sa vie, c'est une très belle expression, je trouve, qui pour moi revêt deux dimensions. L'artisan, c'est un être de travail, c'est celui qui maîtrise un art. Ce n'est pas l'ouvrier, il n'est pas prisonnier de la société, il ne subit pas les règles et il n'est pas dépendant des autres. Au contraire, le travail le libère, à condition bien sûr qu'il en vive, mais le libère parce que cela lui permet de se projeter dans l'avenir. Il n'est pas anodin que Prométhée, le transmetteur de feu, celui qui apporte la connaissance de la métallurgie à l'homme, signifie en grec le prévoyant. Voilà qui m'amène à la deuxième dimension de artisan de sa vie, qui est que certes nos actes nous définissent, mais nos rêves, à condition qu'on ne bascule pas dans une vie à la Emma Bovary, sont aussi importants. Et d'ailleurs, artisan a la même racine étymologique qu'artiste. C'est un être inspiré. Donc c'est un être qui va imprimer ses choix dans ses créations, affirmer sa personnalité. Et comme Nelson Mandela nous y exhortait, être l'auteur de sa vie, c'est aussi ne pas avoir peur du coup de ses rêves, de sa propre lumière. Avec une phrase que je trouve formidable, « Se voir petit ne rend pas service au monde ». Donc j'aimerais vous écouter, j'aimerais que vous nous éclairiez sur ces deux dimensions, Diane et Hugues. La première dimension du fait qu'il faut qu'on soit auteur de notre vie, donc on trouve l'inspiration, et à la fois acteur de notre vie, c'est-à-dire qu'on cultive notre art et notre talent tout au long de notre vie. Commençons ensemble, Diane. Les étudiants que vous rencontrez dans l'école, les écoles d'enseignement supérieur, est-ce qu'ils sont inspirés par cette envie de changer le monde? Alors, pas forcément. Souvent, l'éducation fait qu'ils ont suivi une voie, celle qu'ils n'ont pas forcément choisie, la voie royale. Ils sont souvent un petit peu, ils ont peur, ils n'osent pas en fait se faire vraiment confiance. Et même si je suis convaincue qu'ils ont tous une inspiration, une flamme, souvent elle est très 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 enfouie et c'est très difficile d'arriver à la rallumer, à trouver en fait justement ce qui les anime, ce qui les inspire, ce qui fait que leurs yeux pétillent à certains moments pour certaines choses. Souvent c'est quelque chose qui est oublié et que le système éducatif en lui-même n'aide pas, en fait, ne cultive pas. Donc tout au long de l'éducation, on peut le perdre en fait. Hugues, ça se joue à quel moment l'entretien de cette flamme dans l'environnement de l'enfant, sa jeunesse? Apparemment, Diane enseigne à des niveaux élevés d'enseignement supérieur. Elle récupère, si je puis dire, ce que produit l'éducation nationale.
que moi j'ai souvent représenté à l'aide du laminoir, en disant il faut que tous les enfants passent dans le laminoir, qu'ils sortent usinés tous de la même manière. Et sachant que dans l'éducation nationale, l'autre caractéristique, c'est qu'il y a quand même les sachants et puis les autres qui doivent gober ce que leur racontent les sachants. Alors que je crois que moi, ce qui est une source de vie, c'est la curiosité, c'est l'appétit, c'est l'envie, c'est le désir, c'est éventuellement le rêve. Sachant que quand on parle de rêve, ça m'amène tout de suite à Caroline, à ce que vous disiez au début, sur la perception que les Français et les Européens, plus généralement, ont de l'avenir, comparativement aux perceptions des populations des autres continents. Dans les autres continents, l'avenir est perçu comme synonyme d'angoisse et d'espoir. En Europe et en France tout particulièrement, l'avenir est perçu essentiellement comme synonyme d'angoisse. Donc c'est pas, on n'a pas devant nous un terrain de jeu. Et donc il n'est pas évident que les jeunes, je ne sais pas ce que vous en pensez, les jeunes aient le sentiment d'avoir une certaine liberté de manœuvre pour faire ce que vous avez fait. Créer votre entreprise, créer votre cité, et devenir un artisan d'un avenir qui reste largement à construire. Et pour vous, les nouvelles technologies ont... Moi, j'ai écrit un livre où je raconte l'empowerment du consommateur citoyen. Donc, je crois à l'apport des technologies pour libérer le consommateur. Pour vous, l'impact a été majoritairement positif ou négatif sur cette... finalement, est-ce qu'on est plutôt dans la manipulation ou dans l'empowerment? Les deux, mon général. Les technologies ont toujours été à double tranchant. Elles le sont encore plus aujourd'hui qu'hier. Ça veut dire que les technologies, l'avènement de nouvelles technologies ne préjuge pas du rythme auquel elles vont se diffuser dans leur corps social, et encore moins de l'usage qui va être fait des technologies. Donc moi, j'ai envie de dire que les nouvelles technologies, ce qu'on met derrière le mot « nouvelles technologies », ça peut boucher sur le pire comme sur le meilleur des usages, et que ça va dépendre de ce que nous allons en faire, de ce que vous allez en faire. Et donc, ça nous ramène quand même à l'idée du pouvoir, à l'idée qu'on n'est pas obligé de suivre la technologie, mais qu'on a vocation à acquérir une certaine maîtrise par rapport à ces outils pour en faire des usages les moins mauvais possibles. Et là, je dis, oui, les nouvelles technologies peuvent être porteuses de développement tout à fait heureux, mais ça nous ramène à l'éducation. On parle beaucoup de big data, etc., etc. Plus il y a de données, plus on a besoin d'être capable de faire preuve de discernement, d'intelligence, d'initiative. Et donc, plus, d'une certaine manière, on est ramené à notre condition humaine, et à cette question fondamentale, à quoi rêves-tu? Qu'est-ce que tu veux faire? Quelle énergie mets-tu derrière tes rêves, etc. Justement, si on continue sur ces obstacles à exercer son esprit critique et développer sa créativité, quelles sont les conventions, la doxa que vous voyez peser sur la vie de ces étudiants ou finalement de nos citoyens qui les empêchent d'être artisans de leur vie? Aujourd'hui, en tant qu'étudiant, aujourd'hui, on est plutôt suiveur. On suit une voie. Le système ne nous encourage pas à créer la nôtre. C'est inscrit dans le système, dans les schémas de pensée. Donc aujourd'hui, quand les étudiants réfléchissent à leur orientation, ils ont plus tendance à maximiser leurs chances de succès. Et on entend ils entendent beaucoup que il faut qu'ils suivent la voie royale, que c'est la meilleure manière pour eux de réussir. C'est souvent des étudiants, ils sont ambitieux, ils veulent vraiment avoir un impact sur le monde. Et donc du coup, ils vont se dire, la meilleure manière pour moi de réussir, c'est vraiment de suivre cette voie royale. C'est du coup, ils se jettent dans ces voies sans vraiment se questionner, sans vraiment en fait justement se dire. Est-ce que la voie royale n'est pas la mienne, n'est pas celle où en fait je vais être le plus inspirée? Parce que si je suis inspirée, je suis intéressée, je vais pouvoir travailler mieux, je vais pouvoir faire de meilleures connexions autour de moi, diffuser une meilleure énergie, et du coup justement être plus épanouie et donc mieux réussir. C'est quelque chose, ils n'ont pas ce schéma de pensée, et du coup pas de méthode pour penser à leur futur. Nous, quand ils vivent nos sessions, ils disent qu'ils arrivent en fait, ils découvrent une méthode pour penser autrement à leur futur, en partant d'eux. Quelque chose que ne fait pas du tout le système aujourd'hui, ou même même dans les dispositions d'une classe, on ne part pas du tout des étudiants. Alors racontez-nous cette méthode pour retrouver le chemin de la force intérieure. Oui. Alors, tout d'abord, je vais essayer de le raconter un petit peu.
Mais avant cela, vous allez pouvoir le vivre dans la session d'après qui s'appelle WAP Else. C'est justement ça, parce que le thème d'aujourd'hui, c'est trouver sa place. Donc, on va le vivre ensemble pendant une heure. Évidemment, ce sera un extrait, mais du coup, ce sera plus concret pour vous. Mais en tout cas, le WAP, donc We Are Peers, une session, typiquement, on ne va pas du tout être disposé de cette manière. Ce qui est important, c'est la disposition de l'espace, déjà. C'est toujours des petits cercles de 10 personnes maximum, des groupes pour qu'ils se sentent justement déjà proactifs dans la conversation et dans l'échange. Puisque quand ils sont dans ces dispositions-là, ils se sentent entre pairs, ils se sentent déjà... Tout le monde a sa place dans un cercle. Ce n'est pas tout à fait le cas dans une classe. Et déjà, c'est la première chose. Et c'est, on va pouvoir partir de cette disposition pour les mettre à l'aise et aussi pour leur poser les bonnes questions. Ça, c'est la clé. Des questions significatives qui vont aller vraiment vers à quel moment dans votre parcours, que ce soit dans votre, une association, un projet, une classe, vous avez senti épanoui, productif, inspiré, animé. Ils vont essayer de trouver ce moment pour essayer de se reconnecter à ça. Certains ne trouvent pas, et ce n'est pas un problème. Parce que justement, on a une deuxième question. Et la deuxième question, elle parle plutôt de ce qui les inspire. Est-ce qu'il n'y a pas une chose qui vous a inspiré, que ce soit un livre, un ouvrage, un voyage, un projet d'études, où vous êtes senti vraiment bien, vous êtes senti, vous étiez productif, que c'était juste. Et en fait, ils vont creuser par les échanges, et en fait, par les échanges, ils vont trouver un des éléments. Et nous, à la fin d'une première session, ce qui est une première session, parce que c'est tout un parcours, hein, mais dans la première session, ils auront chacun leur phrase. Leur phrase, c'est vraiment leur vision, leur mission. Et je vais vous donner quelques petites phrases qui montrent qu'on y a vraiment de tout. Il y en a un qui va dire, bah, voilà, moi, je veux être acteur dans la recherche d'un médicament révolutionnaire, ou je veux fonder un fonds d'investissement dans le sport, je veux aider les plus démunis juridiquement et psychologiquement, ou alors encore, je veux aider les musiciens à développer leur carrière, ou je veux devenir politicien à l'étranger. Et c'était des choses qu'ils étaient incapables de dire au début de la session. Et en seulement une heure et demie, ils y arrivent. Donc, de toute façon, vous le vivrez après, donc vous pourrez le voir par vous-même. Mais c'est vrai que d'avoir déjà cette phrase qui va les guider et qui va leur donner du sens, ça va l'aider aussi à choisir leur cours, à choisir leur projet, à se connecter aux bonnes personnes, à trouver les bonnes personnes. Voilà, c'est un petit peu ça le déroulé. Alors, Hugues, quand on n'a pas la chance de croiser Diane et qu'on est dans une entreprise qui a des process et un management à respecter, est-ce qu'on a des chances pour trouver notre voie et redevenir artisan de notre vie ? Caroline, dans votre belle introduction, vous auriez pu citer aussi Gandhi, disant « Soyez les artisans du changement que vous voulez voir dans le monde ». Là, le défi, c'est changer d'air. Est-ce que tout le monde dans cette salle se sent en mesure, à des échelles différentes, d'être des artisans de ce changement d'air que nous prenons tous? Et moi, je crois qu'il y a un élément qui manque, Diane, dans ce que vous avez dit, c'est la pêche. Qu'est-ce qui fait qu'on a affaire à des gens qui sont pêchus, qui ont envie de trucs à tort et à travers, et qu'ils ont le droit de tester les choses? J'ai relu, grâce à vous aujourd'hui, un bouquin qui est sorti il y a quelques années qui s'appelait « Children at Play », qui explique combien les loisirs et les jeux étaient fondamentaux dans l'éducation des enfants, dans leur apprentissage, comme dans l'apprentissage des mammifères d'ailleurs. Et on a, au fil du temps, continuellement comprimé ce temps de loisirs, d'aventures, de tentatives, d'échecs, de réussites. On a continuellement comprimé ce temps pour interner les jeunes dans des systèmes scolaires qui sont très stérilisants. Stérilisant sur le plan intellectuel, et plus grave, stérilisant sur le plan de l'énergie qu'on est prêt à mettre derrière des idées. Et je trouve que ça, c'est un élément sur lequel il faut vraiment travailler, et encore une fois, de préférence plutôt au niveau primaire que secondaire, primaire et secondaire qu'au niveau de l'enseignement supérieur. Alors ceci dit, bon, il y a des jeunes qui sont à l'enseignement supérieur, il y a même des vieux qui retournent à l'enseignement supérieur. Je pense que ce n'est pas seulement les enfants et les vieux, c'est tout le monde. On a tous un rôle à jouer. Et le problème, c'est que quand on dit aux gens « Soyez les artisans du changement que vous voulez voir dans le monde », 9 fois sur 10 en France, ils vous répondent « Mais je n'ai pas le pouvoir. Je suis agi par le système, je ne suis pas acteur dans le système. » Et là, je trouve qu'il y a un vrai travail pédagogique à faire, qui est le réapprentissage de la liberté, donc du risque, donc de l'aventure. Et là, Diane, c'est ce que vous faites.
Et je n'ai pas le pouvoir. Justement, est-ce que Internet n'a pas un petit peu changé les choses là-dessus? Les gens, par les réseaux sociaux, se sentent le pouvoir de faire tomber des entreprises, des marques, des politiques. Pour l'instant, Internet fait plutôt tomber les individus devant les GAFA. Aussi, on est victime et bourreau. Oui, donc ça nous ramène à la question, qu'est-ce que chacun et qu'est-ce que nous ensemble, on peut faire? Et ça, ça implique de se réapprivoiser la dimension du temps. Ça implique d'abandonner une culture très répandue en France, qui est la culture monarchique, où chacun bétonne autour de son petit domaine d'activité pour créer des jeux coopératifs à somme positive. Ça implique un changement culturel absolument majeur. C'est pas parce qu'il est majeur et c'est pas parce qu'il va prendre du temps qu'il faut pas le faire. Au contraire, puisqu'il va prendre du temps et qu'il est majeur, il faut l'entreprendre dès aujourd'hui. Merci. Et donc, OK, la prise de risque, l'audace. Merci. Est-ce que dans le fait de développer son talent tout au long de la vie, la formation professionnelle a un rôle? Quel bilan vous faites aujourd'hui, Diane, de la formation professionnelle en France? Alors, la formation professionnelle aujourd'hui, elle n'aide pas énormément à trouver sa voie, à trouver sa place, parce qu'elle est souvent justement un peu descendante. Donc, certains ont le pouvoir de transmettre et pas tout le monde. Les collaborateurs n'ont pas cette opportunité de se développer. Elle est très lente, en fait. Elle est délivrée 6 mois, un an après. Aussi, il n'y a pas de follow-up, donc on ne peut pas vraiment apprendre et se développer et prendre des initiatives. Et puis, aujourd'hui, elle n'est pas assez spécifique aussi, reliée au cœur de métier des collaborateurs. Donc, c'est très difficile pour eux, justement, d'évoluer de manière efficace dans leur métier avec ce système-là. Je vais juste ajouter un mot. Vous avez vu que la dernière enquête du Pôle emploi montrait que presque 50% des employeurs maintenant accordent beaucoup moins d'importance au diplôme, beaucoup plus à l'expérience et aux aptitudes comportementales. C'est intéressant quand même. En France. Ouais. Et entre ce qui est dit et la réalité, après. En conclusion, moi, j'aimerais revenir sur le fait que finalement, à vous écouter, on n'est pas non plus complètement tous armés de la même façon pour être artisan de sa vie, selon son éducation, selon sa capacité à gérer les risques, les appréhender, à aller au-delà des conventions. Du coup, qu'advient-il des plus fragiles? Après, vraiment, à chacun sa montagne. On est artisan de sa vie quand on est employé, et qu'on prend des initiatives au travail, qu'on trouve le moyen peut-être de créer un cercle d'échange avec ses collègues pour créer une bonne ambiance ou pour que tout le monde soit à l'aise au travail. Ou on peut, en fait, dès qu'on peut prendre des initiatives dans son métier, à sa manière, et qu'on est heureux de ça, à mon avis, on est aussi artisan de sa vie. C'est pas forcément être entrepreneur. C'est pas forcément être entrepreneur. Peut-on être artisan de sa vie quand on est ouvrier sur une chaîne de montage? J'ai envie de répondre d'une manière très peu correcte politiquement, en vous demandant qui est le plus fragile. Est-ce que c'est le polytechnicien qui est sorti major de son école ou l'énarque, ou bien est-ce que c'est celui qui a été en apprentissage chez un artisan dans tel ou tel domaine? J'en sais rien. Je sens chez ce qu'on appelle l'élite de la nation des fragilités terribles. Ce qui ne veut pas dire non plus que ceux qui sont en apprentissage, c'est le bonheur et l'épanouissement complet. Mais ça veut dire qu'il faut peut-être sortir des clichés qu'on a et se dire qu'il n'y a pas une seule bonne manière, one best way, pour arriver. Il y a divers chemins et je crois que c'est ultra important de comprendre qu'il y a divers chemins et de pouvoir discuter aussi avec les jeunes de ces différents chemins. Vieux rêve de prospectiviste, si on pouvait faire des scénarios pour l'orientation des jeunes à 14 ans, si je prends telle option, alors, si je prends telle autre option, alors, ça serait quand même mieux que d'avoir le sentiment qu'il y a une seule voie qui s'impose à tous. Merci à tous les deux. Je ne sais pas, Éloi, combien de temps il reste, mais... Il reste le temps de dire au revoir et le temps d'applaudir Caroline. Merci beaucoup, Caroline.